Salut mes petits bichons, moi c'est Willy. Et moi Lolo. Et on espère que vous allez bien. Ouais, je sais, j'ai coupé mes cheveux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. On va aller au Memphis Coffee avec le copain là. Il est là. Salut. Et avec Lolo. Et donc on va tester ça. Ça fait un moment qu'on en parlait. On a envie de se le faire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On va le déglinguer. On va le déglinguer. Tu vas voir. Allez, bisous mes petits bichons. À tout à l'heure. On se retrouve à l'intérieur. Et puis on va découvrir tout ça. Relais copains. Du coup, nous voilà au Memphis. Je pourrais pas monétiser cette vidéo parce qu'il y a de la musique dans le resto, mais c'est pas grave, on va passer quand même un bon moment. Voilà, et moi je reviens de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fais, Tony? Mais non, mais filme pas les gens, toi. T'es relou, toi. On va se faire engueuler. Oh, c'est tout, voilà. C'est ok. Fais des bêtises, c'est bon, Lolo. Ouais, c'est Tony, il touche à tout, là. Bon, alors toi, ça sera un menu enfant avec burger sur mon cornichon. Ouais. Donc Lolo, elle va prendre... Allez, casse tout. C'est la misère, les gars, c'est la misère. Je suis déglingué, fatigué. Lolo, elle va se prendre un menu enfant, du coup, pour une fois. Une fois n'est pas coutume, avec un burger sans cornichon, parce qu'elle a déjeuné il n'y a pas longtemps. Moi, je vais me prendre... Et puis en plus, je sais ce que je vais prendre. Ouais, elle prendre une glace avec du saucisse au chocolat. Elle a vu des grosses glaces. Du coup, moi, je vais prendre le Western Barbecue. On se fera le défi un jour. On se fera ça en défi un de ces quatre, les gars. Mais aujourd'hui, bah, j'avais pas prévu ça en fait. Je l'ai vu en arrivant ce défi. Mais on fera un de ces quatre. Voilà. Donc ça, c'est cool. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non, parce qu'il faut travailler la fin un petit peu plus quand même. Donc voilà. Les gens sont très sympas. Pour l'instant, l'accueil est très cool. La déco, c'est année. Toi, t'as très faim, mais moi, je viens de déjeuner, donc quand même, ouais. Faut pas abuser. Oh, j'ai très faim, très faim. Moi aussi, j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps. Ah. Donc voilà, les gens sont très sympas, l'accueil était très cool. La déco, c'est années 60 américaines, genre les... En plus, c'est beau. Ouais, c'est joli, ouais. Il y a des néons partout, il y a des banquettes en cuir, en sky. Enfin, c'est du sky, ouais. Ouais, c'est du sky. Et puis, il y a la petite musique des années 60 qui va bien, quoi. Donc, c'est sympa. On va attendre de faire la commande et puis on va se retrouver après. Les petits amis, je vous dis à toutes. Les amis, on se retrouve. Alors, le maxi burger de Tony, mais encore, ça va, en fait. Ça va. Le menu enfant Lolo, c'est marrant, c'est présenté dans une espèce de Cadillac en carton. C'est rigolo. Et puis, voilà mon burger. Putain, elle me saoule cette moutarde depuis tout à l'heure. Donc c'est servi avec un petit colso, une petite sauce, voilà. Papa. Les frites ont l'air... Attends mon cœur, je décris un petit peu le truc. Les frites ont l'air vraiment bonnes. Et puis c'est servi aussi avec deux onion rings. Donc on va se caler dans le browser. Et puis bon bah Tony il a déjà commencé à déglinguer son truc lui. C'est Tony, hein, on le connaît. Donc voilà, allez petits amis. Tu crois qu'on peut garder la voiture? Ah bah oui, tu peux la garder la voiture, ouais. Pas de problème je pense. Et ça, alors pour les gosses c'est vachement bien. Parce qu'ils offrent des petits coloriages avec des crayons de couleur en attendant la commande. Pour le petit jouet c'est rigolo, c'est un distributeur en fait et il y a une petite pièce qu'il faut mettre dedans. Donc voilà, on va goûter tout de suite le burger. Alors. Par contre d'abord je vais prendre un coup parce que c'est un petit peu chaud, quand même. Moi aussi mon petit morito. Et bon. Top les gars. Alors, qu'est-ce qui donne le... Oula. Alors les frites, elles donnent quoi? Trop bon. Meilleur que le Burger King, le meilleur? Ouais. Je vois qu'ils ont mis un bout de salade là. Ils ont mis de la salade. C'est toujours du gars, c'est toujours. Ils ont mis de la salade. Ils ont mis de la salade. Bah, les tu as gars, pas. Bah oui, mais t'as pas demandé sans salade. T'as demandé sans cornichon. C'est bien, mais pas la salade aussi. Ah, mais demandé sans salade aussi. T'as pas dit. J'ai mangé la salade. Non, bah c'est bon, hein. Ouais, on a deux. Il est pas exceptionnel, hein, leur burger pour les enfants. Lolo, fais pas d'arbre. Tu peux mettre du ketchup dedans? Là-bas, il y en a dedans? Ok. Regarde. Ah, je te crois. Ah oui, d'accord. Regarde, c'est rigolo, il y a une petite étoile en carte. Goûte et dis-moi si c'est bon.
Dis-nous si c'est bon. Trop bon là. Purée. Ouais, purée. Franchement, meilleur que Burger King, hein. Ouais. Oh putain, parce que c'est bon les gars. On va goûter les frites. Mais le menu en fond, je vais carrément casser. Tu vas le casser en deux. Ah non, c'est la sauce pour le cold sauce. C'est pas pour les frites. C'était avec du ketchup. Ah ouais. Ah ouais, les frites, elles sont bien. C'est tellement bon, j'en suis déjà là. Ouais. C'est marrant, ils sont recourbés un peu. Alors, au niveau des prix, ça reste raisonnable quand même. L'assiette, là, on revient à 15 euros. Tony, toi, t'en as pour un peu plus, je crois, à 16. Non, pas moi. 17. Non, 15. 15 aussi. Mmh. Et lui, il peut aller servir à volonté de l'Oasis. Salopard. Moi, je peux pas avoir du Morito à volonté, par contre. Qu'est-ce qu'ils donnent, les onion rings? Alors, ils ont l'air moins secos qu'à Burger King. Ah bah oui, rien à voir, la meilleure. Il va falloir qu'on s'entraîne là, Lolo, pour le défi Mega Burger, là, énorme. Ah bah ça va. Le défi, si t'arrives à le faire. Ouais, tu gagnes un Sunday, mais moi je le fais pas pour le Sunday, je le fais pour l'honneur, pour la gloire, mon ami. Je m'en fous du Sunday. Moi, c'est plus moi qui t'en fous pas. tu fais le Sunday emporté, le soleil est pas là. Parce que j'adore les glaces. Mais c'est dommage, c'est pas de Wall of Fame, de mur de la gloire. Tu sais, quand t'as réussi à le finir, tu mets ton photo, tu vois. Otakos, je crois qu'Otakos, ils ont ça pour le Sunday. Moi, c'est plus la glace qui m'intéresse en fait. Non mais je crois qu'après un burger ou comme ça, je te la donne la glace. En fait, c'est toutes les glaçons, la menthe et tout ça. Ramenez-moi la bière. À boire avec modération, hein, les gars. Ah là 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 là. Bah oui, c'est ma voiture ça. J'ai le droit de jouer. Ah, c'est ma voiture. Non, c'est ma Cadillac. Non, c'est ma voiture. Maintenant c'est ma Cadillac. Non, c'est ma voiture. D'accord. Allez, plus bouché. Allez, la dernière, vas-y, dernière ligne droite. C'est déglingué. Attends, c'est déglingué. Je veux ma bière. Si je veux ma bière qui bouge, je bâche. Tu vis dangereusement, toi? Ouais, il diffuse des vieux épisodes de Happy Days, le mec. Excellent. Fonzie en train d'emballer une meuf. Hey! Je crois qu'on va faire une vignette comme ça. Hey! Cool!
Il y a des gros durs qui attaquent le petit jeune, là, le Rookmout, là. Et du coup, Fonzie, il est en train de les calmer, les marrons. Elle est cool, Fonzie. J'ai de la chance dans les oranges. Ça, c'est de la snack dog, les gars. C'est à bien du moment. Je suis curieux, moi, de nature. Hein. Alors, ingrédients. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Bon, il n'y a pas en français. Alors, eau, malt, barley, je sais pas ce que c'est. Malt, whey. Oups. Yast. Ouais, du malt, du houblon. Attention, okay. C'est ouvert. Oui, je sais, j'ai vu. Des sanitaires jaunes, des soutiers, des spins, non. La bouteille est très jolie. Je vais demander si je peux la garder, si elle n'est pas consignée. Elle est très jolie. Très sympa, les gars. Si tu fais. Toi, t'as une idée, tu dessines, ça y est. Tu vas la prendre. Toi, tu es en train de dessiner une bécane, tu fais quoi là? Non, je suis en train de faire un. J'ai rêvé de faire une canne version Cobra. Une canne Cobra? Ouais. Oui, parce que Tony, mon pote là, qui je suis là, il est métallier en fait, il fait des œuvres d'art. D'ailleurs, en profite, je vous fais un peu de pub. Allez-y, c'est sur les fêlés du métal, c'est ouais, ça, c'est ça. Les fêlés du métal sur Facebook. Allez-y, mangez-en, c'est bien. Il fait des jolies roses en métal, il fait des petites œuvres d'art et tout. Allez-y, ouais, c'est assez sympa ce qu'il fait. Et puis si vous avez des commandes, vous me demandez, vous lui demandez, vous, voilà, vous... Il n'y a pas de laser. Hein. Des trucs en métal, nous. On tape sur des bouts de métal. Et ça, vous verrez ça au Cool Day, on fera un live. Donc le Cool Day, c'est un rassemblement où on va tous les ans en mobilette. Et avec tous nos véhicules bizarres, ma voiture, la bêtise mobile et tout machin. Et cette année, on va faire un live. Il y a des potes de Tony qui vont venir avec une forge mobile. Et on va faire un live pour montrer comment ça se passe quand on tape sur des bouts de métal pour faire des épées, des couteaux, des haches de viking, des trucs comme ça. Voilà. Donc ça va être très sympa, ça dure deux jours, on campe là-bas. Au Cool Day, moi je fais de la moto. Ouais, au Cool Day, elle s'éclate l'eau parce qu'il y a un grand terrain, elle peut faire de la moto. Donc voilà, mais après, il y a une motocross qui a un moteur qui va vite. Oui, mais ils le savent, ils ont vu la vidéo de ta moto sur le Cool Day. Enfin, ceux qui ont regardé la vidéo en question, hein. Il y a une vidéo, allez voir. J'ai mis Étienne Le Bolideur en vignette et il y a marqué elle c'est l'homme entre les gens. Voilà. Je suis même passé devant une voiture. Ouais, t'as grillé la priorité à une bagnole. Pas n'importe laquelle, c'était un Dodge Ram énorme le truc. Je sais pas comment le mec il a fait pour l'avoir. J'ai se trompé un peu ma race. Voilà. Bon, on va goûter cette petite bière. Hein. Ah, c'est ambré. C'est un petit peu ambré, les gars. C'est une bière genre bière brousse. Il y a une épice dedans. Il y a une épice. Un verre, t'as pris toute la bouteille. Oh, malt d'orge, malt de froment, houblon et levure. C'est le malt de froment et la levure, je pense, qui donne cette. Cette coloration. Un verre, t'as. Ah, j'ai mis toute la bouteille. Bah oui, c'est fait pour, c'est un verre à bière. Et la forme est fait exprès, il est évasé, il est fin en bas et long en haut pour que les bulles ça soit joli quand ça remonte et que ça remonte pas trop d'ailleurs. D'ailleurs c'est à cause de ça que sur les bières brunes là les comment ça s'appelle tout ce qui est stouts, les Guinness par exemple, on a l'impression que les bulles elles redescendent. Parce qu'en fait il y a une colonne qui est au milieu, il est très évasé de l'air en haut, très fin en bas. Et il y a une colonne qui remonte du centre et après hop ça redescend sur les côtés. Et comme elle est très noire, on voit que les bulles qui redescendent. Voilà, les bulles de la Guinness redescendent. C'est pas une légende. C'est pas une vue de. C'est pas une. Comment on dit, une illusion d'optique. C'est pas une illusion d'optique, les bulles de la Guinness redescendent vraiment. Oh putain, j'en peux plus. Je vais mettre mes couverts dans l'assiette pour signaler que je n'ai plus faim. C'est un code. Avec les serveurs, quand tu mets tes couverts dans l'assiette, c'est que t'as fini de manger. D'ailleurs, Tony, il le fait pas. Mais lui, il a pas besoin de colle, lui, son assiette, elle est vide. Moi, j'ai laissé quelques frites, les gars, j'en pouvais plus. Voilà les copains. Lolo. Désolé, je ne sais pas pourquoi ça a coupé.
Je sais pas à quel moment ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Chocolat. Ah, c'est ta glace, Laurent. C'était pas évident, hein, comme ça, de prendre d'abord. C'était pas évident, les gars. C'est trop rigolo. Je sais pas, je vois le truc arriver. Je suis style. Rigolo. Comment ça s'ouvre? Je sais pas, moi. Comment on fait? Tirer. Excusez-moi, vous avez une notice pour ce truc-là, s'il vous plaît? Faut juste tourner. Faut le tourner, comme. T'as même lui, là. Ah, c'est un peu pas. Technique, hein, quand même. Ouais. Merci bien. Voilà, pour vous. Putain, voilà votre table. Putain, on fait de la mécanique. Excusez-moi. Ça sera possible. Ah, oui. S'il vous plaît. Excusez-moi. Merci à vous. Et ça se fait comme des. C'est rigolo, non? Elle a l'air trop bonne. C'est une poule. Tu voudrais regarder la. Tu voudrais regarder la poule, Lolo? Ouais. Bah, au fur et à mesure, ça va refroidir, ça va réchauffer un peu et ça va ramollir. Oh les copains! Tu dis bonjour, tu dis aux copains? Ouais. Oh les copains. Donc voilà, on est revenu du Memphis Coffee. C'était top. C'était. Lolo, tu peux nous dire sur le classement là, on est où par rapport à Quick, alors c'était McDo, Quick, Burger King. Ensuite, le Memphis. Ouais. Ouais, t'as dit que c'était au-dessus du Burger King. Donc c'est vrai que c'est vraiment bon. On est désolé, on n'a pas pu filmer la fin, toujours ce problème de carte mémoire. Je vais attendre la fin du mois là pour régler ce souci et investir dans une carte SD. Et voilà. Bah écoutez, nous on a passé un très bon moment, les burgers étaient super copieux. La prochaine fois qu'on y va, ça sera pas tout de suite, mais ça sera pour le défi méga burger là. Ouais, on doit s'entraîner. On doit s'entraîner avant, voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Ah oui, mais alors oui, elle a eu plein de cadeaux du coup. Un ballon. Ouais, vas-y. Un coloriage. Bah. Ça c'est le truc de la glace qui était un peu technique à ouvrir. Donc ça. En fait, c'est un truc à images pour regarder dedans. Ouais, un truc pour regarder des images, c'est le truc qu'elle a eu avec la petite pièce. Il faut appuyer sur le bouton là. C'est le truc qu'elle a eu avec la petite pièce. Là, c'était déjà dit de regarder. Ils s'en foutent de ton retour caméra, les gens. Et puis il y a eu la petite Cadillac, donc qui est sur les boîtes. Si ah oui, ils ont filé des carambars. Et ils lui ont filé aussi des crayons de couleur. Donc voilà, très, très sympa pour les enfants, très sympa pour les adultes qui ont faim aussi. Attention, on va le mettre correctement. Donc déjà, on met les petits jouets dans le coffre. Lolo, il ne voit pas. Les petits jouets dans le coffre. C'est vas-y. Lolo, c'est une maniaque. C'est celui qui conduit. Oui, il faut tout ranger. Et la petite déco. Bon, on va peut-être pas faire côté. Perdre de temps aux gens parce que là, je sais pas combien de temps de vidéo on en est, mais on est à plus de 15 minutes. Donc, je vous fais des gros bisous. Lolo, tu fais des gros bisous aussi? Oui. Allez. Et puis, on vous dit abonnez-vous. Et puis, poussoyez. Et puis, clochetez en dessous aussi. Et puis voilà. Et puis, commentez si vous avez des commentaires, si vous avez des idées de vidéos et de trucs à faire. On pensait aussi à Big Fernand. On voulait tester d'autres burgers un peu plus haut de gamme. Et puis, des food trucks aussi. Donc voilà. Si vous avez des idées, dites-nous. Et puis, continuez de nous suivre. Ça nous fait plaisir. On vous fait plein de bisous.